conférence. Donc, je vais faire une petite présentation pour Herdin Lajoum. Donc, pour les gens qui ne le connaissent pas, donc, c'est un natif d'Oran. Donc, il a commencé le théâtre à Oran donc, en 1994, je pense, quand il a commencé à faire des études au Conservatoire national d'Oran et devient par la suite comédien. En 1996, après la sortie du conservatoire, il crée l'association, plutôt la compagnie de jouettes. Il effectue des tournées en Algérie, mais également à l'étranger, avec des pièces telles que les Sanxus de Abdelkader Alloula, mais aussi de Habib Al-Bouhi. Donc, tu me corriges si je me trompe. Donc, bien sûr, tu as joué aussi d'autres pièces d'auteurs algériens et d'autres pays, bon, d'autres pays, comme par exemple la récréation des clowns de Nourdine Abba, le coquelicot de Mohamed Barthi, l'appui de Rachid Boujdra, le cadavre encerclé de Ketib Yassine, Pygmalion de Tawfiq al-Hakim, le Fajr al-Kadib de Naguib Mahfouz. Et tu as joué également des pièces d'auteurs occidentaux comme Roméo et Juliette de Shakespeare, En attendant Godot et Fin de partie de Samuel Beckett, Ubu Roi d'Alfred Jarry, Les Justes d'Albert Camus et bien sûr Syndrome aérien de Christophe Marat. Je pense que je fais un peu le tour pour les pièces, les vieilles pièces que tu as déjà jouées avant. Donc, ma question, parce que beaucoup ne le savent pas, tu as fait d'abord une formation en musique avant de commencer une formation en théâtre. D'où vient ta passion pour le théâtre ? C'est vrai que vous avez cité les pièces, mes toutes premières pièces. Moi, j'ai commencé le théâtre dans les années 90, on va dire réellement 96, 98. C'était mes deux années vraiment où j'ai beaucoup pratiqué. Mais c'est vrai que ça paraît beaucoup les pièces, mais à l'époque, en fait, on était boulimique de création et on n'avait que ça à faire. Et du coup, on créait énormément, on répétait énormément, on lisait beaucoup aussi des pièces. Je suis pas le seul créateur, hein. Il y a d'autres personnes qui ont fondé avec moi la compagnie La Jouette. On était un groupe de jeunes, entourés, encadrés par une personne qui s'appelle Qaddour Ben Khamassa, qui est un ancien de théâtre qui a été avec nous, a fondé la compagnie. Et c'est vrai que je faisais des études de musique qui s'appelait à l'époque l'IRFM, Institut Régional de Formation Musicale. J'étais prédestiné à faire du piano. J'étais nous empêcher, qu'on avait des soucis, qu'on avait des problèmes pour faire un truc où nous on s'amusait. C'est là où j'ai compris qu'il y avait que c'est voilà, qu'on était une petite mouche qui embêtait un petit peu. Je ne sais pas si je réponds à la question. Oui. Alors, justement, toujours en parlant justement de tes débuts, est-ce que tu t'es un peu, comment dire, est-ce qu'il y a des dramaturges ou des metteurs en scène qui t'ont influencé dans les débuts ? Moi, je fais partie de cette génération qui n'a pas eu de modèle en face. Je vais être honnête, j'étais à Oran. C'est-à-dire que les modèles, c'était des fantômes. C'était des gens qui étaient assassinés ou qui sont morts. Et du coup, on a fait du bricolage au début. On bricolait tout seul, en fait. On n'avait pas Internet comme maintenant. On n'avait pas pour regarder ce que faisaient les autres. Voilà, en fait, on avait même même à l'époque les vidéos, les cassettes, les spectacles de Alloula. On n'avait pas accès comme aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup plus tard, je vais rencontrer la femme, la veuve de Alloula, qui va me permettre de pouvoir avoir un regard sur les pièces de Alloula et tout ça. Mais à l'époque, on a bricolé, on a fait spontanément. J'ai pas eu vraiment de modèle vivant. J'ai eu des modèles. Il y a eu en fait, on était des faiseurs à l'époque. Avec le terme péjoratif ou pas, mais on faisait, par intuition, après, c'est vrai que avec la troupe avec qui je travaillais, avec les gens qui étaient avec moi, et on était un groupe, hein, à l'époque, j'étais pas encore metteur en scène, on faisait des mises en scène collectives et chacun apportait son idée. Mais après, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de curiosité à lire, après, ce qui va se passer, c'est que, dans tout malheur, il y a du positif. Ce qui va se passer, c'est que on va bouffer de tout.
C'est-à-dire que on va pas être formaté par une école ou par une vision en théâtre. Je parle vraiment à l'époque. Hein. Là, je vous parle vraiment du tout début. Du tout début. Et c'est vrai que ce qu'on va avoir comme modèle, je vais avoir comme modèle Aloula, Mjoubi, Kaki et d'autres qui sont assassinés. Mais je vais avoir des modèles qui sont déjà au sommet, en fait. C'est-à-dire que on va avoir des gens qui... Et ça a été un avantage, c'est des gens qui nous ont tirés vers le haut à partir de leur tombe, on va dire. Voilà, je ne sais pas ce que... Mais c'est vrai qu'après, je vais faire des stages, je vais être assistant, mais c'est quand je commence à comprendre très vite. En fait, dans ma compagnie, on a compris très vite, 98. En 98, j'ai très vite compris, on a commencé 96, vraiment. Hein. Donc, 2 ans après, j'ai compris qu'il fallait que j'aille chercher ailleurs. Et en fait, j'ai eu le réflexe, un peu, je ne sais pas, c'est vraiment par intuition, hein, c'est avec le recul que je dis ça. En fait, je n'ai pas regardé vers le haut, c'est-à-dire l'Europe, j'ai regardé vers le sud, c'est-à-dire Dakar. En fait, je me suis rendu compte qu'il se passait des choses dans le sud. Et j'ai compris que Dakar était une vraie capitale africaine culturelle à l'époque. C'était la Mecque au niveau de la musique, par exemple. Et en fait, c'est par Dakar et par le Sénégal que j'ai découvert d'autres théâtres et même le monde qui allait à Dakar. Il y avait un festival à l'époque, je me rappelle, j'ai oublié, le théâtre des réalités. Et donc Dakar, Ouagadougou, Conakry, à un moment donné je suis allé à Conakry. Donc c'est par l'Afrique. Et en fait, et c'est là où j'ai compris que j'étais beaucoup plus africain qu'arabe. Et voilà, c'est par l'Afrique en fait. Très vite, je suis allé dans le... voir ce qui se passait en Afrique et puis après le monde arabe et c'est comme ça que je me suis un petit peu nourrie en fait. Justement, c'est ce que la personne qui assiste à tes spectacles, elle comprend très vite que tu as pas mal d'influences, pas seulement algériennes, africaines aussi, arabes, européennes aussi. Donc est-ce qu'on peut parler d'un théâtre multiculturel quand on parle de ton travail, de tes projets? Et par exemple, sur les textes de Mustapha Ben Foudil, je ne me dis pas que je suis... En fait, moi, j'ai une obsession, c'est le texte. C'est le texte. Je suis au service du texte. Je suis un metteur en scène qui ne... Alors, peut-être je suis archaïque, parce qu'aujourd'hui, en Europe, il y a un théâtre qui se développe, il y a dans le monde. Mais moi, je suis un metteur en scène qui ne sait pas travailler sans texte. Et moi, je me mets au service du texte. Je me suis posé une fois cette question-là. Par exemple, on parle beaucoup du théâtre algérien. Est-ce que je fais du théâtre algérien? Pour moi, il n'y a pas de théâtre algérien. Il y a un théâtre qu'on fait en Algérie, il y a un théâtre qu'on fait en Afrique, il y a un théâtre qu'on fait en Europe. Il y a un seul théâtre. Mais c'est vrai. Là, j'ai travaillé sur la dernière pièce que j'ai créée. C'est une pièce que j'ai créée le 22 février 2020. C'est une pièce écrite par un grand écrivain vivant qui s'appelle Mustapha Ben Foudil. Et quand j'ai travaillé sur cette pièce-là, il m'a écrit une pièce et je me suis mis au service de cette pièce-là. Et la pièce, l'histoire de la pièce se passe dans un mausolée. Dans un mausolée. Et effectivement, quand j'ai travaillé sur ça, effectivement, je suis allé à la... comme je connais un petit peu l'Afrique et des choses comme ça, je suis allé chercher à cet endroit-là pour travailler sur le corps, mais je ne me dis peut-être oui, peut-être que je suis traversé par plusieurs influences, mais je ne le pense pas en fait. Je sais pas si je suis clair. Oui. D'accord. En parlant justement de ta complicité, de ton amitié avec Mustapha Ben Foudil, bah, de toute façon, on le remarque dès le premier regard, c'est qu'il y a quand même une complicité. Est-ce que le fait justement que celui qui écrit le texte et celui qui met en scène sont complices, est-ce que ça facilite ton travail? En fait, moi, je suis un amoureux des écrivains. Donc, oui, ça, je l'ai remarqué. Oui. Et on a une chance, c'est d'avoir des écrivains vivants, ce qu'on oublie souvent. Et moi, je dis souvent, si on ne défend pas, je parle en présence de profs en plus, d'université, je dis souvent, si on ne défend pas nos auteurs vivants, on n'aura pas nos classiques de demain. C'est toujours, je défends cette phrase, c'est-à-dire c'est en travaillant sur nos auteurs vivants d'aujourd'hui qu'on aura nos classiques de demain. Et moi, je suis persuadé que Mustapha Ben Foudil sera un classique dans la... Voilà. Et effectivement... Est-ce que tu as des preuves?
Est-ce que tu as des preuves? Si, j'ai des preuves parce que certains de tes livres sont édités, parce que je vois très très bien. Je vois très bien le succès que rencontre quand je travaille avec toi sur tes textes. Et, en fait, la relation, à chaque fois, je dis souvent ça. Là, en ce moment, je travaille sur un texte d'une écrivaine qui s'appelle Marion Aubert. Et en fait, à chaque fois que je travaille sur un auteur, je suis en couple avec cet auteur. Donc, je suis un peu polygame au niveau des écrivains. Donc, quand je travaille avec Mustapha, Mustapha, on s'est rencontré, je peux le dire parce que c'est en lien avec mes spectacles toujours. Mustapha, je l'ai rencontré en 2009. J'étais en train de travailler sur Bleu, Blanc, Vert de Meïssa Bey. Oui. J'étais en train de répéter à Alger. Tous les théâtres m'ont fermé leurs portes pour ce texte de Meïssa Bey. Je devais répéter au TNA. Et à la toute dernière minute, on m'a remercié, Je me suis retrouvé à répéter dans un bureau d'une personne que je n'oublierai jamais, qui m'a donné son bureau pour répéter à Alger. Et en fait, moi, je suis quelqu'un qui essaie, ça c'est quelque chose que je dis toujours aux jeunes, je vois une jeune que je connais qui est connectée. Moi, ce qui m'a sauvé en Algérie, c'est que j'ai jamais eu honte d'aller attendre les gens à la sortie du théâtre, attendre les gens à la sortie et de leur dire voilà, je voudrais travailler avec vous. Ça, c'est quelque chose que j'ai toujours fait à mes débuts quand j'étais en Algérie et quand j'ai essayé d'aller à l'étranger, tout ça. Et Mustapha, je me suis rendu compte que pendant 3 ou 4 ans, entre 2003 et même plus, hein, entre 2003 et 2009, en fait, je rencontrais Mustapha que dans les programmes littéraires de rencontres en France. Quand j'allais en tournée en France, j'arrivais, par exemple, je me rappelle la dernière, j'allais présenter un spectacle de Rachid Boujedra, La pluie, que j'avais créé, une adaptation du roman, très beau, c'est un magnifique roman. Et j'ouvre une parenthèse, Rachid Boujedra a écrit le même roman en arabe et ensuite en français. Et pour les bilingues, c'est une très belle expérience. Il a écrit d'abord, ça s'appelle... Le journal du Panathénial, c'est ça. Il l'a écrit en arabe et quelques années après, il l'a écrit en français. Et j'étais en train de travailler sur la version française et je vois dans le programme qu'une semaine avant, Mustapha Benfodil est passé. Je ne le connaissais pas. Et en fait, à plusieurs fois comme ça, on se croisait, on se ratait. Et en fait, j'arrive à Alger pour travailler sur Bleu, Blanc, Vert et je me suis dit, il faut que je contacte Mustapha. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir son contact et je l'ai contacté. Et je me suis retrouvé le soir en train de manger des côtelettes d'agneau chez lui. Il ne sait pas, en plus, il ne savait pas que c'est mon plat préféré. J'étais en train de manger des côtelettes d'agneau. Et avant de partir, je lui ai dit, donne-moi un de tes textes. Et il m'a dit qu'il avait commencé à écrire une pièce qui s'appelle Les Bords. Et qu'elle est dans ses tiroirs depuis quelques temps. Et que parce qu'il pensait que c'est une pièce qui a été très mal comprise, qu'il a eu des retours et des critiques qui ont été très dures, et du coup il l'a mis de côté. Et moi je rentre, je travaillais sur Bleu, Blanc, Vert, je lis la pièce la nuit, et c'était un gros morceau. Hein, Mustapha, quand il lit les premières moutures, c'est énorme. Et je lis la pièce et je l'appelle au lendemain et je lui dis, je te fais une commande, c'est celle de finir cette pièce. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés sur Les Bornes. Et puis, il y a eu une rencontre entre nous. Les Bornes, quand on a travaillé, on était en résidence. Moi, j'étais au rez-de-chaussée. Lui, il était au premier étage. Et on communiquait par mail, par voix, pour travailler sur cette pièce-là. Et je pense sincèrement, avec toute modestie, en Algérie, aujourd'hui, je peux considérer qu'en Algérie, d'Algérie d'aujourd'hui, on forme un binôme, c'est-à-dire un auteur et un metteur en scène. Comme dans l'histoire du théâtre algérien avec d'autres auteurs et metteurs en scène, ils étaient des binômes ou tout ça. Donc on a, je ne sais pas, moi je parle en sa présence, mais je pense qu'on a trouvé une façon de travailler. Quoi. Non, je dirais exactement la même chose en fait. Enfin, je le dis toujours par rapport à toute forme d'écriture, on écrit dans une... En tout cas, c'est le cas pour moi, c'est-à-dire on écrit dans le noir. On écrit dans un tunnel, on écrit dans la solitude la plus totale et on ne sait pas trop par quel bout prendre, hein, par exemple,
si je prends les borgnes, je suis parti dans plusieurs directions. Pour la petite histoire, juste une parenthèse, les borgnes, j'avais commencé à Paris. J'étais à la Cité internationale des arts en 2007 et j'allais sur mes 40 ans. C'est-à-dire, moi, je suis lancé. Je disais, qu'est-ce que je pourrais dire de cet endroit-là? J'ai été invité par une structure qui s'appelle En Nouvelles Écritures Théâtrales, qui est à la base un centre de ressources de théâtre contemporain. Et c'était Mohamed Kassimi qui m'avait présenté une grande dame qui s'appelle Mireille Davidovici. Donc, c'est comme ça que ça s'est fait. Et là, je me suis dit, c'est le moment peut-être venu pour moi pour aborder un sujet auquel on n'échappe pas quand on est algérien, c'est la guerre de libération. C'est-à-dire, c'est un sujet que je n'avais pas abordé auparavant. Et là, j'ai une. Parfois, ça commence comme ça, un texte. Hein, c'est-à-dire, c'est juste une petite tirade qui disait le 5 juillet 1962, l'Algérie a quitté la France après 32 ans de colonisation. Et donc, je suis parti sur une écriture. Après, c'est vrai que c'est un texte qui a beaucoup bougé parce que c'est comme ça que j'ai travaillé en fait. Je pars sur on va dire une trame, sur un socle dramaturgique. Après, je vois si ça fonctionne ou pas en fonction de ce que j'ai envie de dire. En fait, je vais vous balancer une petite boutade, c'est-à-dire je fais la différence entre ce que j'ai envie de dire, ce qu'on appelle le propos, et ce que j'ai envie de raconter, c'est-à-dire en gros la fable ou l'histoire ou l'habillage narratif ou esthétique. Et donc c'est pour ça que il n'est pas toujours évident du premier coup de cerner un petit peu l'attribution, de savoir un peu quel va être, on va dire, le film. Ce que j'aime avec Khaledine, c'est qu'il respecte le côté bordélique de mon écriture. En fait, Mustapha, quand il écrit, c'est une écriture très riche, Mustapha Belfodil. J'invite vraiment, vraiment les théâtres en Algérie. Moi, je suis en France. En Algérie. De se mettre en. Ils ont un trésor en Algérie. Il s'appelle Mustapha Benfodé. C'est un écrivain. Il habite à Alger. Il est journaliste, Flouatan. Mais en Algérie, il est connu comme journaliste. Mais c'est d'abord un poète. C'est avant tout un poète. On a des auteurs en Algérie. On a des écrivains. Il y a une autre écrivaine aussi. Je vois des gens d'Oran qui sont connectés. Il y a une écrivaine qui s'appelle Meïssa Bey, qui est à Sidi Bel Abbès, qui écrit en français, mais qui peut écrire en arabe aussi. On a des écrivains qui sont connus mondialement. Les œuvres de Meïssa Bey sont traduites en anglais, en espagnol, et je pense même en portugais, si je ne me trompe pas. Les œuvres de Mustapha Benfodil aussi sont traduites en Angleterre. Donc, c'est un peu dommage d'avoir des écrivains comme ça qui sont à deux pas de chez nous. Moi, j'ai halluciné quand j'avais découvert que Meïssa Bey était à Sidi Bel Abbès, que Mustapha était à Alger. On a des écrivains comme ça en Algérie qui ont la capacité d'écriture et une générosité énorme. C'est-à-dire que c'est des écrivains qui vous donnent leur texte et qui vous offrent leur œuvre et vous font confiance. Voilà, c'est pour moi aujourd'hui, quand j'entends parfois des gens dire qu'en Algérie, le théâtre algérien traverse une crise d'écriture, moi je dirais beaucoup plus il traverse une crise de lecture. Il y a même d'autres, je suis en train de regarder parce que je suis à côté de ma bibliothèque, j'ai une rangée en haut, c'est que des acteurs algériens vivant en Algérie mais qui sont publiés ailleurs. Il y a Hajar Bali, comment elle s'appelle, Randa, j'écorche toujours, Randa Al-Khouli. Ça, c'est des gens qui sont de l'Est, vers chez toi, Amen. Donc, je pense qu'il suffit juste d'avoir une certaine curiosité. C'est des auteurs de théâtre. Hein. C'est-à-dire là, les auteurs dont je vous parle, c'est des auteurs femmes qui sont publiés en France. En théâtre, déjà, parce que la publication de théâtre, déjà, c'est difficile. L'édition, c'est une crise, mais c'est-à-dire si on les publie en théâtre, ça veut dire que c'est déjà des valeurs sûres. Voilà, c'est, je pense qu'on a des écrivains.
On a des écrivains, c'est juste qu'il faut avoir la curiosité de les lire. Et puis, d'avoir la possibilité d'avoir leur texte aussi accessible. Non, de toute façon, maintenant, avec les maisons d'édition algériennes, ça devient de plus en plus facile justement d'accéder à ces livres. Pas comme avant. Mais justement, en parlant des auteurs qui écrivent du théâtre, quand tu as posé justement, quand tu as donné l'exemple de pas mal d'auteurs qui ont écrit du théâtre, donc c'est beaucoup plus facile à réaliser. Donc pour toi, on n'a pas un problème de texte, on a plus un problème peut-être d'audace d'aller vers ces textes-là pour les mettre en scène. Non, on a un problème aussi de production, on a aussi un problème d'aide, on a aussi un problème de structuration. Oh, je vais vous le dire quelque chose. L'art, il faut pas avoir honte de ça. C'est sublime. C'est égoïste. On le faisait d'abord pour nous. C'est-à-dire que faut pas se dire je fais le théâtre pour le peuple. Non, fais-le d'abord pour toi. Prends du plaisir toi. Et si toi tu prends du plaisir et tu t'amuses, les gens ils vont s'amuser. Après, il faut avoir la curiosité d'aller chercher des écrivains. Et moi, je le dis, on a des écrivains. Nourdine Abba, qui connaît Nourdine Abba? Oh, il a écrit des œuvres monumentales au théâtre. Tel Zahtar s'est-tu à la tombée de la nuit? C'est une pièce de théâtre qu'il a écrite sur la question palestinienne. C'est un chef-d'œuvre digne de Pasolini. C'est un écrivain algérien, il est de Sétif. Ses pièces ont été traduites en arabe. La récréation des clowns, c'est une pièce qui a été traduite en arabe. Aujourd'hui, j'ai dépassé la quarantaine et j'ai envie aussi de ne pas me retrouver dans la même situation que parce que Amin Missoumila, il se rappelle, nous on fait partie d'une génération où il y avait un fossé entre nous qui avons à peine 20 ans et les gens qui ont 40 ans. Aujourd'hui, c'est nous qui avons 40 ans, donc il y a derrière nous des gens qui ont 20 ans. Il n'y a pas ce conflit, il n'y a pas un conflit parce qu'on est tous au même endroit. Moi, ce que j'ai envie de dire aux jeunes, c'est ayez la curiosité d'aller découvrir vos écrivains. Moi, d'écrivains, on voit très bien justement que tu lis beaucoup. Donc, du coup, on trouve pas mal de textes dans tes projets. Est-ce que c'est beaucoup plus difficile de mettre en scène des textes qui sont à la base des romans ou plutôt des textes plus écrits pour le théâtre? On a vu, par exemple, que tu as adapté le roman de Maïssa Bey, Bleu, Blanc, Vert. Et tu as aussi adapté La Pluie, donc Bleu, Blanc, Vert n'est pas un texte facile. Donc l'adaptation, comment c'est faite? Est-ce que c'était, il y avait des difficultés? Est-ce que tu as discuté avec l'auteur justement? Maïssa Bey, je suis allé la voir à Sidi Bel Abbès. C'était en 2008. D'accord. En 2008, je suis allé la voir. Je lui ai dit juste cette phrase. Je me rappelle, après, elle m'a raconté plein de choses après. Je suis allé la voir je lui ai dit, je veux travailler sur Bleu, Blanc, Vert. Et elle m'avait posé la question, pourquoi? Je lui ai répondu, c'est l'histoire de mes parents. J'avais juste dit cette phrase-là. Je lui ai dit, Ali et Leïla, c'est ça, je ne me rappelle pas très bien des personnages. Je lui ai dit, Ali et Leïla, c'est mes parents. C'est l'histoire de mes parents. Elle m'a dit, OK. Je lui dis, voilà, je te demande de me donner l'histoire de mes parents. Parce que c'était l'histoire de la génération qui était au-dessus de moi. Et elle, ça, elle me l'a raconté après. Elle s'est dit, mais il va se casser la gueule, il va se prendre le mur, c'est pas un texte pour théâtre. Et non, en fait, ça dépend. Chaque metteur en scène, ce qu'il voit. Moi, pour moi, c'était déjà du théâtre. Et parce que, en fait, je lui ai promis juste quelque chose. Je lui ai dit, je ne réécrirai jamais. Parce que quand on choisit un auteur, là, je parle en présence de gens de littérature. Quand on choisit un auteur, on choisit aussi une langue. Il a une langue. C'est pas la langue française ou son style d'écriture. On choisit pas un auteur juste pour le scénario. Parce qu'on a un très grand écrivain algérien. C'est un excellent scénariste. Mais pour moi, c'est pas un écrivain. Il s'appelle Yasmina Khadra. Je ferme la parenthèse. C'est un excellent scénariste. C'est un excellent conteur, mais il n'y a pas de langue. Il n'y a pas de maîtrise de langue. Voilà, ça c'est très subjectif, c'est mon avis. Je le dis. Par contre, des auteurs comme Maïssa Bey, il y a une écriture, il y a une langue. Et je lui avais dit, je ne trahirai jamais ton écriture. Moi, je considère, ça c'est très subjectif aussi, je considère, quand on travaille sur une adaptation, moi je considère que c'est beaucoup plus facile qu'un texte de théâtre. Pourquoi? Parce que dans l'adaptation, on est quand même en quelque sorte écrivain.
Parce que on choisit, sur un livre de 300 pages, on choisit des extraits, on choisit une trame, on choisit un angle, un point de vue qu'on veut raconter. Moi, j'ai choisi un angle quand j'ai pris l'histoire de Meïssa Bey, Bleu, Blanc, Vert. Je le dis, moi, j'ai choisi l'angle de l'immeuble. Dans ma mise en scène, il y avait un chanteur qui s'appelait Arabi Bastam, qui est du groupe El Ferda, qui était présent sur scène, qui était l'âme de l'immeuble. Moi, j'ai raconté l'histoire parce que pour moi, le personnage principal dans Bleu, Blanc, Vert, c'est l'immeuble. Bref, ça, c'est mon avis. Et on choisit un angle, on choisit des passages. Sur un livre de 300 pages, on choisit très peu de pages, à peine 30 pages. Donc, voilà, on est libre. Mais par contre, si demain tu veux travailler sur Shakespeare ou sur Alula ou sur... là, tu dois te taper le morceau. Donc, il faut que tu t'attaques. Voilà, tu as une structure, tu as une vision, tu as quelque chose. Ça, c'est très subjectif. Moi, je trouve que l'adaptation sur scène, autant que metteur en scène, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile que travailler sur un texte de théâtre et une dramaturgie. Voilà. Parce qu'une adaptation, c'est moi qui construis la dramaturgie. C'est moi qui va la fabriquer, la dramaturgie. C'est moi qui va l'écrire. Voilà. Mais un texte de théâtre, il a en lui la dramaturgie. C'est comme si, moi je dis toujours cet exemple-là, c'est un peu con ce que je vais dire. En adaptation, quand on adapte un texte d'un roman, on fait une opération chirurgicale qui est celle de lui installer une colonne vertébrale. Sur scène. Un texte de théâtre, il a déjà une colonne vertébrale. Ça veut dire, toi, a des toukfs, mais yougf à sa façon, selon sa colonne vertébrale à lui. Je ne sais pas si ma métaphore elle est claire, mais pour moi, l'adaptation, c'est un travail chirurgical. Dans Meïssa Bey, dans Bleu, Blanc, Vert, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et j'ai été très, très touché parce que l'écrivaine a tellement aimé la pièce qu'elle l'a suivie en tournée. Pour moi, c'est une... Est-ce que tu l'as consulté à chaque fois? Est-ce que tu l'as consulté dans l'adaptation? Est-ce que tu lui demandais son avis par rapport au choix des parties? Non? Non, en fait, Meïssa Bey a eu la générosité de me faire confiance. Je pense que déjà, elle partait d'avance elle avait beaucoup plus peur pour moi, ou elle se disait, le pauvre Mesquine, il sait pas vers où il va. Et je pense qu'elle a été agréablement surprise. J'espère être à la hauteur de ses attentes. Mais c'est vrai que la pluie, quand j'ai travaillé sur la pluie de Rachid Boujedra, c'était magnifique pour moi. J'ai vécu une expérience magnifique dans Rachid Boujedra parce que je lisais les romans dans les deux langues. Et c'était génial. Oui. Génial de passer du... Et en fait, c'est la même chose sans la même chose. Après, Rachid Boujedra, je vais vous le dire franchement, la pluie, c'était une sorte de performance pour moi. Parce que c'était une langue tellement difficile, tellement compliquée. C'était un texte, tellement... Et je ne savais pas pourquoi je le montais. Je ne savais pas pourquoi je m'obstinais. Et le jour où j'ai vu le spectacle, j'ai compris pourquoi je me suis obstiné à travailler sur ce texte. Avant de continuer mes questions, est-ce que pour les intervenants, ils ont des questions à poser au metteur en scène? Franchement, je veux dire quelque chose par rapport à Khaledine. Khaledine, par rapport à ton expérience théâtrale et en même temps littéraire, au début, nos débuts, c'était 94, 96, 15, juste après la mort de Alula. Khaledine était le seul qui pouvait toucher à l'époque au texte de Alula. Et franchement, je le dis, c'est pas pour lui jeter des fleurs et tout ça. Il était toujours en guerre avec Raja Alula par rapport à s'y toucher au texte de Alula, au genre de mise en scène de Alula. Parce que Alula, c'était à l'époque, c'était Al-Halqa et ça reste là. Tu touches pas Al-Halqa, tu touches pas au théâtre de Alula, c'est la métaphore et tout ça. Khaledine, il touchait à sa manière. Khaledine, il faisait ce qu'il a d'ailleurs à l'époque. Les balades de Alula, qu'ils étaient chantées, fait l'époque d'Alula, Belbendir, ou Al-Qalouz, ou Debouk, et tout ça, Khaledine, il a fait en rap à l'époque. Et on faisait des salles combles par rapport au rap.
En fait, pour rebondir sur ce que dit Amine, on a des écrivains, par exemple Kateb Yassine et Alloula au théâtre. Je vais parler de Alloula. En fait, quand vous regardez, je dis ça aux jeunes, quand vous regardez une pièce de théâtre de Alloula, par exemple, à la télévision, ce que vous voyez, c'est le regard du metteur en scène Alloula. C'est-à-dire qu'Alloula, c'est d'abord un écrivain, c'est un auteur. Et moi, quand je travaillais sur Alloula, je travaillais sur l'auteur. Je prenais le texte. Parce que ce que je voyais dans la cassette vidéo, c'est la mise en scène de Alloula. Même lui, quand il écrivait ses pièces de théâtre, je le dis, c'est ma lecture, hein, c'est très subjectif. Alloula, par exemple, il écrit une pièce. Par exemple, je ne sais pas si je me trompe, mais je ne me rappelle pas exactement les dates. Mais par exemple, je crois là, peut-être que je me trompe, il écrit le jouet en 82, il la met en scène en 84. Il écrit l'Ithème en 87, il la met en scène en 89. Entre l'écriture et la mise en scène, il laissait 2 ans. Moi, je pense, c'est très subjectif, c'est mon avis, il laissait la place au metteur en scène. C'est-à-dire, il écrivait le temps que ça part, et après, c'est le metteur en scène qui met en scène. C'est-à-dire, quand vous regardez les cassettes vidéo de Kateb Yassine ou de Alloula, ce que vous voyez sur la cassette vidéo, sur le spectacle, quand on le montre à la télé, c'est le regard du metteur en scène. C'est pas le regard de l'auteur. C'est le metteur en scène, c'est un spectacle. Et pour moi, Alloula, c'est d'abord un écrivain. Moi, je considère, c'est mise en scène. Là, je le dis. Là, ça a des zins là. Raté. Parce que il n'avait pas une équipe technique. Parce qu'un metteur en scène, c'est un décorateur, c'est un créateur lumière, c'est un créateur son. Mustapha Ben Foudil, quand il venait assister à mes répétitions, il sait très bien que moi, autour de moi, on est une dream team. J'ai quelqu'un au son, Pascal, j'ai quelqu'un à la lumière, Manu, j'ai quelqu'un avec moi, Estelle, au décor, c'est une équipe. Et Alloula, le metteur en scène, souffrait de sa solitude. Souffrait. Et en plus, il avait des acteurs, c'était des bni-oui-oui. Donc, c'était des objets. Ce n'était pas des penseurs qui... La même chose avec Kateb Yassine. Kateb Yassine aussi, il était entouré de gens. Voilà. Et moi, à l'époque, quand on avait travaillé sur Alloula, effectivement, on avait fait du rap parce que je connaissais aussi des rappeurs. Hein. Il y avait Farid Tintin, il y avait le groupe Tox, Malik Tox qui sont... Et à l'époque, 96, j'avais compris quelque chose. Je me suis dit, tiens, on va essayer de toucher. Et puis, parce que, tout simplement, nous-mêmes, on adorait le rap. Donc, on était des passionnés de rap. Donc, on a fait ce qu'on aimait. Donc... mais ce que j'ai envie de dire par rapport au théâtre, c'est il y a une différence entre l'écrivain et le metteur en scène. C'est-à-dire que quand Mustapha Ben Foudil, si Amin Misoum qui intervenait là mettait en scène les textes de Mustapha Ben Foudil, il va les mettre en scène différemment, d'une manière différente de la mienne. Le texte restera le même. Et pour moi, j'invite les gens à travailler sur Alloula en tant qu'écrivain. Et lui, il avait choisi le Gouel comme style dans l'écriture, mais surtout dans la mise en scène. Parce qu'on peut prendre les textes de Alloula et les monter d'une autre manière qui n'est pas celle du Gouel. La même chose avec Kaki, la même chose avec d'autres auteurs. Donc, s'il y a d'autres questions aussi, d'autres intervenants. Bonjour tout le monde. Merci Reddin d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, un peu plus tôt que pour toi, il y a un seul théâtre, qu'en est-il du public en fait? Parce que tu as beaucoup évolué, j'imagine, tu as commencé avec des pièces avec un public purement algérien, tu as fait des tournées en Algérie, et maintenant, si j'ai bien compris, tu es définitivement installé en France. Donc, est-ce que cette différence de public a influencé ton travail de mise en scène? Est-ce que pour toi, une pièce de théâtre va être montée de la même façon, que ce soit pour un public algérien ou pour un public français? En fait, d'abord, effectivement, je vis en France, mais je continue à travailler en Algérie. Mais je travaille en catimini. En 2018, donc il n'y a que 2 ans, j'ai fait un projet dont je suis fier. Personne ne le sait, malheureusement, mais j'ai fait exprès pour qu'on ne le sache pas. J'ai emmené avec moi 10 jeunes d'Oran. Et 10 jeunes de France, il y a 10 jeunes de France qui sont venus à Oran et 10 jeunes d'Oran qui sont partis en France. Ils ont travaillé sur un texte d'une écrivaine française qui s'appelle Marion Aubert. Cette écrivaine est venue en Algérie
parce qu'elle a travaillé avec eux. On a fait une formation, bref. Un de mes derniers spectacles réunissait sur scène 10 jeunes d'Oran et 10 jeunes de j'essaie toujours de continuer à travailler en Algérie quand on me laisse tranquille. Effectivement, la question du public, en fait, aujourd'hui, je me la pose aujourd'hui, mais pour d'autres raisons. Moi, pour moi, je considère que quand la première fois quand je suis parti en France en 99, c'était avec Amine d'ailleurs, à Grenoble, je vous avoue, quand on avait joué la première fois le jouet, tout ça, je ne me souviens pas du tout d'avoir senti une différence chez les spectateurs. Il y a une différence au niveau des codes, effectivement. C'est-à-dire en France, il y a un silence, il y a un respect par rapport à ce qui se passe sur scène. Pas un respect parce que le public algérien aussi respecte, mais il y a des codes, d'autres codes, d'autres façons d'aller au théâtre, d'autres façons, d'autres manières. Je me pose pas la question. En fait, quand j'ai joué Indigné de Mustapha Benfodil en France et en Algérie, on avait joué à Annaba, Steve, bon, dans le cadre des tournées des instituts français, mais à l'Institut français de Constantine, il y avait les étudiants du département littérature. Donc, effectivement, à l'Institut français, c'est pas non plus la bourgeoisie, machin, il n'y a pas. Hein, c'est des étudiantes de littérature qui vont à la rencontre d'œuvres qui voilà, moi je me rappelle à Constantine, il y avait tout le département littérature des jeunes femmes qui étaient là parce qu'elles rencontraient pour la première fois l'œuvre de Mustapha en dehors du livre. Mais effectivement, en fait, Indigné, on l'a joué aussi, on l'a même créé, c'est un texte de Mustapha Benfodil, au Caire. Au Caire, en Égypte, sous-titré en arabe. Il y a une différence d'interprétation. C'est-à-dire chacun lit avec ses outils, c'est-à-dire que on a tous une grille de lecture, tous on est construit de grille de lecture dans la vie. Cette grille de lecture, on l'emmène avec nous aussi au théâtre. Il y a une phrase qui est très très belle dans le texte d'Indigné de Mustapha qui dit, ça m'a marqué, hein, je le donne comme exemple par rapport au Caire. Je ne suis plus dans le temps folklorique, je suis dans le temps politique, je vous laisse à vos antiquités. C'est un personnage qui dit ça au tribunal, il dit « Je ne suis plus dans le temps folklorique, je suis dans le temps politique, je vous laisse à vos antiquités. » Cette phrase a été une bombe au Caire. Elle a été même, on comprend, quand on est au Caire, avec l'antiquité, et comment elle prend un sens tout autre par rapport à l'Algérie, qui reste un sens politique. En France, ça reste peut-être une phrase très poétique, mais ce qui est sûr et certain, ce qui est rassurant, c'est que souvent les gens rient au même endroit. Et ça, c'est très rassurant parce que l'humour est universel. Après, aujourd'hui, je me pose des questions du public, mais tout autre. Après, c'est vrai que y a des choses quand je travaille sur Bleu, Blanc, Vert, quand Ali sur scène, c'était joué par Samir El Hakim, qui est un acteur algérien qui est connu, quand il dit bleu, blanc, vert. Je n'écris plus avec le stylo rouge, il écrit avec le stylo vert, tout ça. Un Algérien, c'est au premier degré, quoi. C'est au premier degré, il comprend la symbolique par rapport au drapeau. Le spectateur français, il lui faut la suite du texte. Quand il explique, je suis indépendant, tout ça. Effectivement, il y a des... Mais, moi, quand je travaille, je ne me pose pas la question. Les acteurs aussi n'ont pas à se poser ces questions-là du public. Moi, je dis toujours ça, toujours aux acteurs, quand je travaille au théâtre, je dis toujours ça. Aujourd'hui, avec l'âge, j'interviens dans les grandes écoles de théâtre, tout ça. Et la dernière fois où j'ai intervenu, c'était dans une école à Strasbourg, où j'ai dit à un jeune acteur, je lui dis, je ne vois pas ce que provoque en toi le texte. C'est, d'abord, quand quelqu'un parle, qu'il est ému, ou qu'il est triste, ou qu'il est heureux, on voit d'abord en lui l'effet de ce qu'il est en train de dire. Je ne sais pas si je suis clair. Donc, je me pose d'abord cette question, qu'est-ce qu'il fait en moi? Qu'est-ce qu'il provoque en moi, d'abord moi, le texte? Et après, le public, chacun voilà, interprète, mais moi je pense qu'il ne faut pas se poser des questions. Après, oui, il y a des questions de culture, de tout ça, mais on s'en fout. Au théâtre, on s'en fout. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu.
Il y a deux moments que j'adore au moment des spectacles. C'est l'entrée du public. Donc, les gens arrivent dans la salle. Et au moment où ils partent, j'essaie toujours de me cacher pour entendre les retours. Dans mes mises en scène aujourd'hui, avec l'âge, allez, c'est très subjectif. Ça fait un peu moi, mais la ralbe, c'est ça les artistes. Dans mes spectacles, si vous voyez tous mes spectacles de ces 5 dernières années, le public, quand il rentre, les acteurs sont sur scène. C'est pas une nouveauté, c'est pas moi qui l'ai inventé. Mais je fais exprès que les acteurs soient sur scène. Parce que pour moi, je considère, et pour d'autres, mais voilà, moi je considère que l'événement au théâtre, c'est le public qui arrive dans la salle. Parce que nous, on est au théâtre depuis le matin. C'est-à-dire, pour moi, quand les acteurs rentrent, ça fait un événement. Même en Algérie, on applaudit. Quand l'acteur rentre. Et pour moi, non, en fait, l'événement, c'est vous quand vous venez dans la salle. Donc, c'est pour ça que j'aime bien regarder. J'aime bien que les acteurs aussi voient. Parce que je me rappelle quand j'étais jeune, Amine, quand on faisait du théâtre, je restais au théâtre d'Oran, à l'entrée, et je voyais les gens arriver. Ça, je vous raconte, c'est 98, 17. Et en fait, j'ai la même question aujourd'hui, 20 ans après, qui est, mais pourquoi ils viennent? Ils viennent pour voir ce que j'ai fait. En fait, jusqu'à présent, je ne comprends pas. Et pire encore, ils payent. Donc ça, pour moi, ça reste une énigme. Et c'est pour ça que j'ai besoin de les voir. J'ai besoin de comprendre pourquoi ils viennent. Après, on pourra en parler. Hein, on pourra en parler pourquoi ils viennent, tout ça. Après, il y a le deuxième moment. Quand je présente mes spectacles à Avignon, j'essaie toujours d'être caché dans le bus ou dans un endroit pour entendre comment les spectateurs déconstruisent les spectacles. Comment ils disent des choses, parfois tu n'y as même pas pensé. Mais ça, c'est universel. C'est universel. J'ai pas envie de c'est tout le monde qui pourrait. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est une question de classe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je réalise quelque chose, ça c'est en Europe, en France, c'est que les théâtres français sont essentiellement à 80%, voire plus, constitués d'une classe moyenne, voire classe moyenne plus. Et il ne faut pas se leurrer aujourd'hui en France, je parle pour la France, c'est qu'on sait exactement à qui on s'adresse. En Algérie, on ne sait pas exactement à qui on s'adresse, parce que le public est multiple, mélangé. Le théâtre, voilà, pour qu'il se fasse des bisous au théâtre, caché dans le noir, dans le beau théâtre d'Oran. Et aujourd'hui, c'est très complexe le théâtre. Et tu te dis, comment je vais capter son attention à lui? Parce que lui, son objectif est très clair. Et comment j'arrive à déplacer son regard? Et je me suis posé ces questions. Comment j'arrive à le capter? Parce que lui, ses intérêts sont autres. Mais ils se rejoignent parce que c'est des intérêts de sensibilité et d'émotion. Donc, voilà. Parce que, après, à Avignon, je ne sais pas, Mustapha, tu parlais de désintégration ou d'indigné? De désintégration, oui, c'est ça. En fait, désintégration, c'est ma désintégration. Dernière création, il faut qu'on explique l'avant-dernière création. Donc c'est un spectacle. Je suis boulimique, hein, désolé, mais il faut suivre. En 2019, juillet 2019, je fais une création au Festival d'Avignon. C'est un spectacle qui s'appelle Désintégration d'un écrivain d'origine de Khenchla. Donc il est pas loin de chez vous, qui s'appelle Ahmed Jouder. Et c'est un spectacle qui raconte la question de l'immigration en France. Et j'ai réalisé quelque chose et pour moi, c'est ce qui ouvre mes projets d'avenir, c'est la question du post-colonialisme. Donc là, on va faire un petit peu un moment un peu universitaire. La question du post-colonialisme, c'est-à-dire, pour résumer rapidement, les traces, quelles sont les traces de l'histoire coloniale qui restent en nous. Et après ce spectacle de désintégration, j'ai réalisé que il y a un chantier énorme à travailler, je pense, en France, mais je pense aussi en Algérie d'une autre manière, sur la question postcoloniale.
Et pour moi, Désintégration a révélé quelque chose. C'est un spectacle où il y avait des bagarres, spectateurs. Je vous assure, c'était des bagarres, mais vraiment, des bagarres, mais vraiment. Hein. Mais avec le recul, j'ai réalisé que c'était une bagarre de classe sociale. C'est-à-dire que c'est là où j'ai réalisé, voilà, c'est-à-dire aussi, on regarde une œuvre aussi avec son bagage social. C'est-à-dire, quand on est prof d'université, je prends à Guelma, et avec ses études, et avec, on regarde pas le spectacle de la même manière que quand on est un jeune chômeur, voilà. Et je ne parle pas d'intellect. Je parle aussi de sensibilisation et de parcours de vie et les Désintégrations, c'est un spectacle qui a créé une polémique. C'est un spectacle qui m'a valu 50 mails de 50 directeurs de théâtre français qui m'ont agressé. Et je le résume facilement à cette phrase qui est la réaction de l'homme blanc de plus de 50 ans, hétéro. Parce que c'est le point en commun entre tous. Parce qu'il n'y avait pas de femmes, il n'y avait pas d'homosexuels, et il n'y avait pas de gens moins de 50 ans. Il n'y avait pas de noirs ni d'arabes. C'était la minute polémique. Pour rebondir sur la question de Bouddha, Désintégration, tu l'aurais ramené ici, je pense que ça se fait mieux passer, on va dire, que les gens l'auraient accueilli autrement. Je ne crois pas, ça c'est très subjectif, parce qu'en fait, Amine, il peut en parler, mais parce qu'il lui, il exerce encore en Algérie. En fait, Désintégration, la première partie ne sera pas très bien reçue, parce qu'en fait, il y a une autocritique. Et moi, je pense, en parlant de théâtre algérien, j'ai vu la dernière fois une intervention pour rester sur le théâtre et la littérature. Je trouve qu'on n'a pas encore fait une autocritique. Donc, la pièce Désintégration, il y a déjà une autocritique culturelle sur notre façon d'être élevé. Voilà ce qu'on parle rapidement, mais il s'éveille aussi dans Bleu, Blanc, Vert, pour les gens qui ont lu Bleu, Blanc, Vert, c'est-à-dire la question de la clé. Le garçon qui avait la clé pour sortir et la fille qui n'a pas de clé. En Algérie, souvent, si tu as un garçon qui a 16 ans, une fille qui a 16 ans dans la même maison, le garçon, lui, il a les clés pour sortir et rentrer. La fille, elle n'en a pas. Parce que la fille, il faut qu'on lui ouvre la porte pour sortir et qu'on lui ouvre la porte quand elle rentre, pour savoir quand est-ce qu'elle est sortie. Donc, des critiques de ce type-là, mais des critiques de l'éducation. C'est-à-dire l'éducation, voilà, par exemple, dans Désintégration, il y a une grande critique sur l'éducation sexuelle des garçons. Leur rapport, il y a des garçons qui nous écoutent, des hommes, on est allé au hammam avec nos mamans jusqu'à l'âge de 5-6 ans, moi j'étais petit de taille, je suis allé jusqu'à 6 ans, donc ça laisse des traces en nous, toutes ces histoires-là, donc sur l'éducation, sur le rapport à la masculinité, tout ça, donc je pense que Désintégration pourrait un peu aussi créer un débat, et pour rester sur la littérature et sur le théâtre, sur ce travail de critique, Mustapha, moi je pense que Désintégration, elle aurait eu du mal sur cette partie-là, en Algérie. On parlait tout à l'heure de Alloula, de Kateb Yassine, de ces gens-là. Il y a pas longtemps, il y a quelques jours, j'entendais Mohamed Ibdri, qui est un comédien que j'estime beaucoup, qui participait à un débat sur le théâtre algérien, sur Zoom, sur une chaîne. Et je les ai entendus beaucoup parler de l'histoire, par exemple, Al-Qala'a, à l'Est, vous avez Mohamed Medjoubi, des gens comme ça. Et ces images qu'on a du théâtre algérien à l'époque, dans les années 70, 80, surtout les années 80, où on avait des salles blindées, remplies, on a des images comme ça de la télévision qui lit de spectacles. Mais effectivement, il y avait une époque, il y avait des textes, tout ça. Mais pour moi, il y a un élément qu'on doit aussi critiquer et avoir un regard d'analyse dessus sur ce théâtre de l'époque. Il ne faut pas oublier qu'on était Waqt Shuyu'iyya, donc le socialisme. Il faut savoir que la majorité des... Et tant mieux, je n'ai pas une critique, mais ça relativise les choses. C'est qu'à l'époque, il y avait des bus qui attendaient les ouvriers à la sortie des usines pour les emmener au théâtre, avec des tarifs très bas, voire parfois payés par les comités d'entreprise. Donc, quand tu mets des bus à la sortie des usines, c'est beaucoup plus facile de remplir un théâtre. Je suis pour cette politique, mais je veux dire, il faut relativiser aussi ces salles pleines, c'est-à-dire qu'elles étaient remplies d'une manière très volontariste. Je ne remets pas en question la qualité des spectacles, mais la,
la qualité des spectacles, c'était, ils étaient identifiés, les spectacles qui étaient de qualité. Pas tout le théâtre algérien de l'époque. C'était bien, des, par exemple, à Kalaa, il y avait des spectacles qui marchaient. Mais, voilà, à l'époque, quand on nous parle d'auteurs, quand on nous parle de lecture, quand on nous parle du livre, à l'époque des écrivains, tout ça, il y avait aussi une politique très volontariste derrière. Et puis aussi, je critique mes pères, hein, avec beaucoup d'admiration, mais voilà. Mais c'est une critique pour mieux avancer. C'est-à-dire qu'en Alloula, quand Kate et Biessine font leurs pièces, ils répondaient aussi à des cahiers de charges. Tawra Zeraïa, le Khobza, ou le Hammam Rabbi, c'est des pièces que j'aime beaucoup, mais c'était des pièces qui répondaient à des cahiers de charges bien précis pour une politique bien précise. Parce qu'ils étaient à l'intérieur des structures étatiques. Donc, c'était des productions de théâtre étatique sous Boumedine. Donc, il faut pas oublier. Mais ils avaient cette intelligence et cette malice de savoir détourner la chose. Et voilà. Mais tout ça pour répondre par rapport à la question du public. Et aujourd'hui, il y a un travail, il y a un grand chantier énorme à faire en Algérie. Donc voilà, je suis un peu éloigné de ta question, Mustapha, mais c'est pour... j'ai pas la tête dans le guidon par rapport à l'Algérie. J'ai ce luxe d'avoir de la distance et d'avoir pris le temps de regarder cette époque aussi avec une certaine critique. Je voudrais bien intervenir si c'est possible. Oui. Poser une question. D'accord. Si vous permettez. Alors, la question concerne, vous avez parlé du public. Je m'intéresse aussi à l'adaptation parce que c'est quand même très important de transposer le texte sur scène. Et ça se fait pas de la même façon, Khairdine l'a très bien expliqué. Ce qui m'intéresse, c'est quand le texte est violent, quand il y a de la subversion dans le texte. Alors comment, par exemple, quels sont les moyens techniques pour mettre en scène cette subversion? Voilà. Je sais pas si je vais répondre à votre question. Vous m'entendez? Oui, bien sûr. Oui. Je sais pas si je vais répondre à votre question, mais je vais répondre à côté. Je vais vous donner un exemple pour rester un petit peu sur des sujets, parce que je veux aussi promouvoir des textes. C'était Mustapha Benfodi, ces textes, je vous invite à les lire, mais je veux aussi qu'on découvre les pièces de Maïs Abeille, les textes. D'ailleurs, je vais travailler aussi encore une fois sur un texte de Maïs Abeille dans l'année prochaine, mais bref. Par exemple, dans Bleu, Blanc, Vert. Dans Bleu, Blanc, Vert, j'avais répété à Oran. Et j'avais même ouvert les répétitions. Et dans Bleu, Blanc, Vert, il y avait une scène que je ne pouvais pas échapper, qui était une scène où il l'embrasse pour la première fois. Il l'embrasse dans les escaliers de l'immeuble. Ils étaient jeunes, voilà, il l'embrasse, tout ça. Et je me suis posé la question de me dire, merde, un bisou sur scène au théâtre d'Oran, qu'est-ce que ça va faire? Alors que j'ai vu des spectacles programmés par l'Institut français au théâtre d'Oran, où des acteurs bien blancs se sont embrassés, c'est passé comme une lettre à la poste. Mais je pense que deux comédiens, une comédienne algérienne avec un comédien algérien qui s'embrassent sur scène, il faut leur acheter des baskets Nike. Mais pour répondre à votre question, je me rappelle, je me suis dit, tiens, sur des questions comme ça, très provocatrices, très polémiques, très subversives, je pense qu'il faut faire confiance à l'imagination du spectateur, et surtout du spectateur algérien. C'est-à-dire, moi, je pense, quand on est face à des choses très violentes au niveau de l'écriture, il faut surtout pas, sur le plateau, suivre le mouvement de la subversion. C'est essayer de faire en sorte qu'elle soit amenée autrement au plateau. C'est-à-dire, jouer sur ce qui est caché, ce qui n'est pas caché. Après, voilà, c'est-à-dire, par exemple, moi, dans Bleu, Blanc, Vert, au moment où ils vont s'embrasser, ils s'approchent, il y avait des rideaux, en fait, qui bougeaient sur scène, comme ça. Et au moment où ils vont s'embrasser, il y a un rideau qui passe devant eux, ils les cachent, et après, ils réapparaissent. Je suis sûr et certain que les Algériens ont imaginé pire qu'un bisou, innocent, que leur imagination est très... Après, sur la question de subversion, moi, j'ai un exemple très concret en Algérie. Très concret. J'ai monté Le poète comme boxeur. C'est un autre livre que je vous invite à lire. C'est des interviews de Kate et Biessine. C'est à ça que j'ai pensé en posant ma question. Le poète comme boxeur, justement. C'est... Le poète comme boxeur, c'est des interviews de Kate et Biessine. Je les ai adaptées au théâtre d'une manière assez
voilà, j'allais dire un peu intelligente, mais ça veut dire que je me jetais des fleurs. Mais je pense qu'on a été intelligent, toute l'équipe, on a été intelligent. Et dans le podcast boxeur, à un moment donné dans le texte, ils étaient sur scène, on a joué à Tizi Ouzou, à la maison de la culture de Tizi Ouzou. Hein. Il y avait sur scène, vous connaissez Kate Biassine, il aime bien titiller Dieu. J'adore, quand je pense à Kate Biassine, je pense à cette à surah Aya, Yakhshallahu min ibadihi, al-ulama. Il y a un moment, Kate Biassine, il dit « Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a que cette terre que j'embrasse devant vous. » Il le fait dire par la bouche de l'Kahina, le personnage de l'Kahina. Et moi, je vous avoue que j'appréhendais cette phrase. J'appréhendais parce que je me disais comment... Parce qu'en plus, il insistait dans le texte. J'appréhendais comment elle va être perçue, cette phrase. On a joué à Tizi Ouzou, on a joué à Béjaïa, on a joué à Tlemcen, on a joué à Constantine. Et vous allez voir, je n'ai pas joué dans ma ville, mais c'est normal, à Oran, je ne peux pas jouer. J'appréhendais cette phrase. Et bien, à ma grande surprise, cette phrase est passée comme une lettre à la poste. C'est-à-dire, les gens ne se sentent pas beaucoup attardés. Par contre, c'est là où je rejoins votre question. Par contre, il y a une scène qui a créé la polémique. Ça dépend de la ville où on était. En fait, j'ai mis en scène, à un moment donné dans l'histoire, parce que le poète comme boxeur, moi, j'ai un peu tracé le parcours, la vie de Kate Biassine. Et puis, quand on connaît Kate Biassine, le bar, aller au bar, c'est quelque chose... normal. Il y avait une scène où c'était le moment où il rencontre son éditeur. Kate Biassine a rencontré son éditeur, celui qui va l'éditer dans un bar. Ils se rencontrent, le hasard, il n'y a pas de hasard. Kate Biassine, le type lui dit, tu es quoi? Kate Biassine, il répond, je suis poète. L'autre, il lui dit, tiens, je suis éditeur. Je vais fermer. Il lui restait un paquet de feuilles. Tiens, je vais t'éditer comme dernière édition. C'est comme ça que Kate Biassine a eu la chance d'avoir un petit manuscrit. Premier temps. Bref. Et moi, j'ai mis sur scène une bouteille de vin. Donc, le personnage, à un moment donné, l'acteur prenait une bouteille de vin, l'ouvrait et se servait. Et comme je suis un peu taquin, j'ai mis une vraie bouteille de vin. Mais je vous assure que je ne m'attendais pas du tout que juste ce moment qui durait 2 secondes allait créer la polémique et une réaction différente. Houda, tout à l'heure, tu parlais de réaction du public, rien qu'en Algérie. Pour cette scène, il y a eu différentes réactions. Par exemple, quand on a joué à Tizi Ouzou, tout le public de la Maison de la Culture a commencé à dire en une seule voix, tu partages, sinon tu bois pas. Donc, à Constantine, j'ai eu une journaliste, je ne me rappelle pas de quel journal, mais je pense que c'est Nahar. Elle est presque montée sur scène, elle a pris en photo cette scène-là qu'on a retrouvée le lendemain sur le journal. C'est une scène juste qui dure 2 secondes. Elle bouteille, il le sert, il se sert, point bas. Effectivement, le théâtre s'ajoute au texte. Moi, je pense que, pour répondre à votre question, cette scène-là m'a appris quelque chose. Ce n'est pas le texte qui crée la polémique au théâtre, c'est l'action qui accompagne, qui peut créer une polémique. Parce qu'au niveau du texte, Mustapha aussi, hein, dans son texte indigné, il y va, hein, au niveau de la subversion, au niveau de ses personnages, au niveau. Donc, moi, je pense que ça ne sert à rien de se poser les questions, d'essayer d'être dans une autocensure parce que le public, il nous surprend toujours. Il nous surprend toujours et il nous surprend toujours à un endroit où on s'y attend le moins. Je vais travailler sur le texte de Meïssa Bey et puis j'ai un désir très 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 fort de travailler avec Mustapha et avec des acteurs algériens pour faire quelque chose en Algérie pour notre pays, parce que voilà, faire un truc local comme disait la personne tout à l'heure, j'espère réussir à le faire, mais voilà, pour le moment j'ai ces trois projets: Mustapha, Ben Foudil, Meïssa Bey
et puis Marion Aubert. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Et puis, ce que j'ai envie de dire, j'avais une phrase que je disais tout le temps au début de la compagnie. J'harcelais les jeunes, Amine, tout ça, si tu te rappelles. Je disais toujours « Aqara, 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 aqara ». On a des auteurs. Voilà, je pense que l'université algérienne fait ce qu'elle peut, avec les moyens qu'elle peut. Et aujourd'hui, je suis invité par des universitaires. Mais je pense que les étudiants, je pense que les artistes, les jeunes artistes, doivent faire cette démarche. C'est difficile de lire, c'est compliqué, c'est lourd. On n'est pas, il n'y a pas d'éducation à la question du livre, l'accès au livre. Mais nos auteurs sont vivants. Donc, je pense que si tu vas voir Mustapha, tu auras le luxe de ne pas avoir le livre, mais d'avoir le manuscrit en PDF. Et on a ce luxe. Donc, je trouve que on parle d'accès au livre, mais nos auteurs sont accessibles. Ils prennent le café dans le même café populaire que nous tous. Ils sont pas sur leur nuage. Et ils sont accessibles. Je pense que c'est la seule chose que j'ai envie de dire. Voilà, j'arrête. Et merci pour votre invitation. Et merci à tous ceux qui étaient présents. Je lance mon invitation à Mustapha, donc on le verra sûrement dans une autre rencontre, mais je tiens quand même à te remercier, Khairuddin, donc d'avoir participé à cette rencontre et d'avoir répondu à nos questions et d'avoir partagé justement ces moments-là avec nous. Donc, je remercie aussi tous ceux qui étaient présents aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci à vous. Et j'espère vous rencontrer, j'espère assister à un de ces spectacles ici en Algérie. Ben, je l'espère du fond du cœur. Et voilà, merci à l'association Cycli. Merci beaucoup à l'association Côte Soleil. Et voilà, on se reverra une autre fois. Et merci encore une fois à tout le monde. Merci beaucoup.